يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فذهب الناس قبله فجعل الناس ينجفلون قبله فجئت في الناس لأنظر إلى وجهه فرأيت وجهه فعرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول ما تكلم به أن قال يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par Abdullah ibn Salam c'est pas n'importe quelle personne c'est un juif converti à l'islam ils n'étaient pas tellement nombreux mais c'est une personne qui connaît bien la religion ce hadith nous montre c'est quoi l'islam les principes de l'islam car dans ce hadith ce sahabi et c'est très important de lire la biographie de ce sahabi la façon dont il a embrassé l'islam comment il, le prophète a appris aux juifs que cette personne est devenue musulmane qu'est-ce qu'ils ont dit avant et qu'est-ce qu'ils ont dit après cette personne il dit quand le messager venait d'arriver à Médine les gens se sont précipités à son rencontre d'aller le voir. Je faisais partie des gens qui sont allés le voir. Et j'ai médité sur son visage. Et j'ai su que ce visage n'est pas le visage d'un menteur. Parmi les premières paroles qu'il a prononcées, « Oh les gens, donnez aux pauvres à manger et propagez la salutation et établis le lien de parenté et prier alors que les gens dorment pendant la nuit, vous rentrerez au paradis en paix. Donc c'est ça le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas étonnant car il est très dit « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Et l'islam, ses principes, ses préceptes, ses lois, ses charia, tout est basé sur la miséricorde. Ibn Qayyim al-Jawziyya يقول إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح فهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكم كلها وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليس من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتعويل سي ساج إن يريدي يقول قيم جوز يدي الإسلام سي لوا سي برنسيب سي برسيبت est basé sur la sagesse. Il est basé sur l'intérêt des créatures. Ça ne profite à rien Allah. Ça ne profite à nous. Toutes les lois, tous les préceptes, tous les principes de l'islam, c'est
a été établi pour que ça nous profite à nous, que ça profite à nous, pas à Allah. Il dit c'est une justice totale. Sa totalité est la justice. C'est une miséricorde totale. Et c'est une sagesse totale. Et c'est un intérêt pour les êtres humains totalement. Tous leurs intérêts sont inclus là-dedans. Il dit tous éléments ou toute question qui sort des cadres de justice vers l'injustice, qui sort de la miséricorde vers le contraire de la miséricorde, qui est la cruauté, la méchanceté, la haine, tout de ce genre, qui sort de l'intérêt des humains vers le dommage, n'en fait pas partie de l'islam, même si les gens essayent par l'interprétation dit de l'inclure. Donc c'est ça, alhamdoulilah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'est-ce qu'il faut faire, ça dès le début de l'islam, et ce message n'a jamais changé. Donner aux mains à manger aux démunis, propager la salutation entre vous, établir le lien de parenté et prier la nuit. Voici le message, très simple, et ça a été constant. Quand tu regardes dans le Coran, même dans le feu de l'enfer, إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Dans ce verset coranique, dit le très beau, dans ce verset, les gens du paradis s'interrogeront au sujet des criminels dans le feu de l'enfer. Qu'est-ce qui vous a fait acheminer? Qu'est-ce qui vous a jeté dans le feu de l'enfer? Notre réponse, ça va avec le premier message. Nous ne faisions pas partie de ceux qui faisaient la prière, bien sûr. Nous ne nourrissions pas aussi le pauvre. La deuxième question, c'est quoi? C'est que nous ne nourrissions pas le pauvre. C'est ce qui a fait que Dieu les a jetés dans le feu de l'enfer. Et quand tu regardes la sourate Al-Ma'un, رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Il dit, vois-tu, celui qui traite de mensonge la rétribution, qui c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite pas mutuellement, qui ne s'incite pas mutuellement à nourrir le pauvre. Et quand tu regardes sur le Fajr, il dit, وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Dans ce verset coranique, Dieu très haut dit, par contre, quand il le met à l'épreuve en rétrécissant sa subsistance, en diminuant sa subsistance, quelle est la réaction de la personne? Il dit, mon Seigneur m'a avéli. Non, c'est parce que vous ne nourrissez pas le pauvre et vous ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. Vous n'honorez pas l'orphelin. Vous n'êtes pas généreux envers l'orphelin et vous ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. C'est pour cela que Dieu a diminué votre subsistance. C'est pour cela qu'il a fait partie de ce baraka que vous l'avez. C'est pour cela dans ce verset coranique, Dieu le Très vous dit, « Khudh min amwalihim sadaqa, tutahhiruhum, tutuzakkihim biha, wa salli alihim inna salataka sakanun lahum, wallahu sami'un alim. » Dans ce verset coranique, Dieu le Très vous nous parle de sadaqa. Ça fait ça, ça n'a pas légal, mais en sadaqa en général, il prélève de leur bien une aumône par laquelle tu les purifies et tu les bénis. Et tu pries pour eux, car ta prière est une bénédiction pour eux, est une quiétude pour eux. Donc l'aumône, c'est pour nous purifier. L'aumône, c'est pour nous bénir. L'aumône, c'est une prière. Quand on parle d'une prière, c'est d'implorer Allah pour nous, que Dieu nous accorde le bienfait de ce bas monde et dans l'au-delà. Et le monde, vous aimez l'argent d'un amour sans borne.
qui dépasse toutes les limites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Iyakum wa dhulum, fa inna dhuluma dhulumat yawm al-qiyama. Wa iyakum wa shuhha, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wa stahallu maharimahum. Il dit craignez, prenez garde à l'avarice. Elle était la cause de la perdition de ceux qui vous ont précédés. Elle les a poussés à s'entretuer et aussi à profaner ce qui est sacré. L'amour de l'argent. Et dans un hadith, le professeur il dit Madhi Iban Ursila ala ghanam ou fi ghanam bi afsad lahuma min hirsil mar' ala sharaf wal mal li dini. Des loups affamés qu'on envoie à un troupeau. Des loups affamés, il envoie à un troupeau. Ne sont guère plus dangereux, plus néfastes que la convoitise de l'homme pour l'argent et pour les places d'honneur. Donc le monde est là pour purifier nos cœurs, nous purifier de cet amour, de cette convoitise, de cet amour malsain envers l'argent. Ça purifie seulement celui qui donne l'argent, mais ça purifie aussi le pauvre de la haine, de la jalousie, de la rancœur qu'il peut avoir envers le riche. Ça purifie toute la communauté aussi. Car Dieu est très heureux de nous que nous vivons en paix. Donc, le monde, c'est quelque chose qui est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès le premier message, était basé sur ça, nourrissez. Donner la nourriture aux pauvres. Et c'est pour cela, dans un hadith, le prophète dit « Ma mi yomin yusbihu al-ibad fihi illa wa malakan yanzilan fa yakul ahaduhuma allahumma i'ti munfiqan khalafan fa yakul al-akhar allahumma i'ti mumusikan talafan » Rawahu Muslim. Il dit « Il n'y a pas un jour que les gens se lèvent, que le soleil se lève sans que deux anges ne descendent. L'un d'eux dira, Seigneur, accorde une récompense à celui qui dépense. Et la perdition, perdition pour celui qui refuse de donner. C'est pour cela que les savants religieux disent que l'être humain doit tout faire, chaque jour donner quelque chose. Pour ça, pour que tu rentres dans cette invocation et que cette malédiction ne te frappe pas. Et ça, c'est tout à fait normal. Dans un hadith du prophète de Yaqul, كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته تحمله عليها صدقة وتحمله له عليها صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة ده سي حديث النبي صلى الله عليه وسلم دي وإمادة الأذى عن الطريق صدقة. Il dit, l'être humain, chacun de nous, est redevable d'une aumône équivalent au nombre de ses articulations. Le nombre des articulations, dans notre hadith de Aïcha, il dit, c'est que 360. Chacun de nous a 360 articulations. Et cela a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça, 14 siècles avant aujourd'hui. Et ça a été prouvé que c'est la vérité. Donc chaque jour, chacun de nous doit donner une aumône au nombre de 360 pour remercier Allah d'avoir préservé ses articulations intactes et d'avoir le maintenir lui-même en vie. Chaque jour. Par sa grandeur, le monde n'est pas seulement l'argent. Il commence par qui? Il dit chaque fois que le soleil se lève et que tu établis la concorde entre deux personnes est une aumône. Et que tu aides une personne à enfourger sa monture ou se mettre là au-dessus ou mettre le bagage là au-dessus fait partie de l'aumône. Et la bonne parole fait partie de l'aumône. Écarter de la voie publique quelque chose qui nuit est une aumône. Et c'est là de nos jours que le covoiturage, qu'on peut dire, ou la personne qui aide son frère à déménager, tout bien fait. C'est pour cela qu'il découle le ma'arouf sadaqa. Toute bonne action est une aumône. Le ma'rouf,
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici que chacun de nous doit faire une aumône chaque jour, le nombre de 360, mais ce n'est pas seulement l'argent. Dans un hadith, il dit innakum la tas'una an-nas bi amwalikum walakin yas'uhum minkum basatul wajh wa husnul khuluq. Vous ne pouvez pas vraiment contenir les gens, les satisfaire tout par vos argent, en distribuant l'argent. Non, mais vous pouvez le faire en souriant et avec votre bon comportement. Donc c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous prêcher. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Anna unasan ja'u ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam faqal dhahaba ahlu dhuthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fudul amwalihim. Qal aw laysa Allah qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bi kullu tasbiha sadaqa kullu tahmida sadaqa wa kullu tahlila sadaqa wa kullu takbira sadaqa wa fi budi ahadikum sadaqa. Qalu ya rasul Allah ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu ajr. Qal ara'aytum law wada'aha fi haram akana alayhi wizr كذلك ان وضعه في حلال فله اجر. Ces sahaba, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des gens qui veulent faire accomplir de bonnes œuvres. Il dit les riches ont emporté tous les bienfaits, toutes les récompenses. Quand on parle d'expédition, c'est eux qui donnent. Quand on parle pour nous les pauvres, c'est eux qui donnent. Construire les mosquées, c'est eux qui donnent. Nous les pauvres, on n'a rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu vous a donné, a mis à votre portée, a mis à votre main, votre disposition, des choses par lesquelles vous pouvez faire l'aumône. Chaque fois qu'il dit Alhamdulillah, Allah Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, c'est une aumône. Même que l'être humain fait l'acte de chair qui souvient à ses besoins charnels, fait partie de l'aumône. Il dit, comment cela est possible? Et s'il le fait dans haram, il sera péché pour lui. S'il le fait dans halal, Dieu aussi le récompense. Donc, l'aumône en islam, c'est quelque chose qui est vaste. Et vaste. Le champ est vaste, pourquoi? C'est parce que c'est ce que Dieu veut de nous, que nous soyons utiles envers l'un et l'autre. Et l'aumône, comme on dit, nous avons dit, pour bénir. Ça bénit l'être humain. Souvent, les gens, ils disent, je travaille, j'ai tel montant de salaire, mais avant que le mois finisse, j'ai fini manger, gaspiller, dépenser tout. Aller même s'emprunter, il n'y a pas de baraka là-dessus. Je le dirais que Dieu vient de le dire et de le bénir par quoi? Par l'aumône. Tu veux la bénédiction? Fais-le par l'aumône. Il y a un hadith pour le sallallahu alayhi wa sallam. Bainama rajulun yamshi bi falat min al-arq. Fasami'a sawtan fi sahaba. Isqi hadiqata fulan. فتنحى ذلك الصحاب فأفرق معه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الشراج الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال يا عبد الله ما اسمك قال اسمي فلان بالاسم الذي سمعه في صحابة فقال لما تسألني عن اسمي قال إني سمعت صوتا في صحابة الذي هذا معه يقول اسق حديقة فلان باسمك فماذا تصنع فيه قال أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وإيالي ثلثا وأرد ثلثه الآخر فيه. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم qui est pratique, qui nous montre combien de fois le monde est une bénédiction. Un homme qui marchait dans une terre aride, il entendit une voix soudain qui s'adresse à un nuage. Arrose le jardin d'un tel. Aussitôt, le nuage se déplaça et déversa l'eau dans une terre aride, dans une terre pleine de pierres. Il y avait un rigole qui a retenu toute cette eau. Et le monsieur a suivi cette rigole, le parcours de cette rigole. Il trouva un homme à la fin arrêté, en train de déplacer, détourner l'eau par sa roue.
il demanda quel est ton nom. Le nom était le même nom prononcé par la voix dans le nuage, par le nuage. Et le monsieur s'étonna. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, je regarde ce qui sort de ma récolte et je dépense, donne, je fais de l'aumône d'un tiers. Et le deuxième tiers, je mange avec ma famille. Et l'autre tiers, je le retourne là-dedans. Donc c'est ça le monde. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Dieu anéantit l'usuraire, entre l'usuraire, il fortifie le monde. Et le monde, c'est tellement important que dans l'au-delà, pour l'umura'in, fi dhilli sadaqatihi yom al-qiyam. Chacun de nous sera sous l'ombre de son aumône. S'il vous plaît, rapprochez-vous. C'est pour cela, dans un hadith du prophète, il dit « Ma min ahadim minkun illa wa yukallimuhu Allah laysa baynahu wa baynahu turjuman fayanzur aymana minuhu fala yara illa amalahu wa yanzur ashmana minuhu fala yara illa amalahu wa yanzur min bayni yadihi fala yara illa an-nara min tilqa'a wajhihi fattaqun nara wa law bi shaqqi tamra. Le jour de la résurrection, chacun de nous aura ce privilège. Ce sera un privilège pour certains. Que Dieu s'adressera à eux directement, sans l'intermédiaire. Sans l'intermédiaire. Et regarde à sa droite, il voit seulement ses œuvres. Et regarde à sa gauche, il voit ses œuvres. Et regarde devant lui, c'est l'enfer. Il dit, protégez-vous. Protégez-vous du feu de l'enfer. Ne serait que par un morceau de date. Ce sera que un morceau de date. Qulou qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا يا رسول الله وإن لم يستطع قال يأتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا إن لم يستطع قال ينصح بنصيحة قالوا وإن لم يستطع قال يكف شره فإنه له به صدقة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dans ce hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui nous parle de la même façon comme la première, il dit chacun de nous est redevable d'une aumône. On le dit, mais s'il n'a pas les moyens, il dit qu'il œuvre, qu'il travaille par ses deux mains, avec ses deux mains, qu'il le fasse. Vous voyez, Omar ibn Khattab dit, je déteste le fainéant, qui n'est pas actif dans les affaires de ce bas monde, ni dans l'au-delà. Le musulman a le devoir de d'œuvrer, pourquoi? Parce qu'il doit faire une aumône de 360 aumônes par jour. Et de nos jours, souvent, quand tu parles de travail, les gens travaillent, pourquoi? Pour payer les factures, tout ça. Mais l'islam, on a d'autres aussi raisons pour travailler. On n'est pas vraiment quelqu'un fainéant qui est paresseux, qui s'assoit sur lui. Non, c'est quelqu'un qui travaille parce qu'il sait qu'il a un devoir, une obligation d'aider ses semblables. Il dit, s'il n'a pas les moyens, il dit qu'il donne un bon conseil. Il dit, s'il n'en a pas les moyens, il dit qu'il évite, qu'il préserve les gens de sa nuisance, qu'il ne fait pas tort aux gens. Donc le plus grand aumône, la plus grande aumône qu'une personne peut faire à l'égard de ses frères, à l'humanité toute entière, c'est de ne pas causer du tort aux gens. De ne pas causer du tort aux gens. C'est ça l'islam. Quand on parle à qui tu dois profiter, dans un hadith, il y a beaucoup de hadiths, surtout deux hadiths qui sont très importants, qui nous édifient, que la miséricorde d'un croyant enveloppe tout l'humanité, c'est l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme miséricorde pour l'univers tout entier, pas pour les musulmans seulement, non. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'une personne est rentrée au paradis à cause de quoi? À cause d'un chien. Il y a d'autres hadiths, il dit Bari, c'est une femme prostituée. Dans l'islam, il n'y a pas un péché plus grave que l'association. Après l'association, c'est meurtre. Après meurtre, c'est l'adultère. Une personne qui a pris comme profession l'adultère et prostituée, cette personne a vu un chien qui était autour depuis et l'a aidé à s'abreuver. Dieu a remercié cette personne et il a absous tous ses péchés à cause de ça. Et on le demanda, Sahaba demanda,
Il dit, est-ce que nous avons des récompenses si nous sommes bienfaisants envers les animaux? Il dit, fi kulli zati kabdin sadaqa. Tout être vivant, si tu es bienfaisant envers eux, Dieu te récompense. Donc, nuire à d'autres, non, le musulman ne fait pas. Quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man nafasa un mu'mini kurbatan min kurbi dunya, nafasa Allah anhu kurbatan min kurbi yawm al-qiyam. Wa man sahhala lam usrin, sahhala Allah alayhi fi dunya wal-akhira. Wa man satara musliman, satarahu Allah fi dunya wal-akhira. Wallahu fi awni al-abd, ma dama al-abd fi awni akhi. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahhala Allah bihi tariqa ila al-jannah. Dans ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont tellement nombreux quand on parle de bienfaisance, car l'islam est basé sur ça. Tout ce que tu feras pour l'être humain ici, Dieu te le récompensera. Ce que nous devrions savoir, que l'islam ne nuit à personne. On dit ici qu'il doit vraiment préserver les gens de sa nuisance. Ça veut dire aussi que cette nuisance vient de la langue, ou d'écriture, ou de dessin. L'islam l'interdit. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Inna min akbar al-kaba'ir an yal'ana al-rajul abah » Qalu ya Rasulallah, « Kefa yal'anu al-rajul abah » Qalu ya subbu abah rajulin fa ya subbu abah. Il dit, parmi les grands péchés qu'une personne maudit ses propres progéniteurs. Comment une personne peut le faire? Il injure le père d'un tel et lui aussi il injure son père. Donc l'islam, que ce soit le père, la mère ou un homme, très simple, même à Dahar, Allah te subhanahu Dahar, n'insultez pas et n'injurez pas la vie. Même les mécréants, la ta subbu ladina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwa bighayr ilm. N'injurez pas ceux qui invoquent en dehors d'Allah. Donc l'islam, il respecte tout le monde. Et c'est ainsi qu'il veut aussi qu'il soit respecté. Donc on n'insulte pas, on n'injure pas. Un être humain simple, plus forte que raison, un prophète. Donc l'islam, c'est une religion qui est basée sur la miséricorde et basée sur le respect mutuel. Et nous prions que Dieu vraiment accorde la miséricorde à toute l'humanité et surtout et édifie l'humanité de la grandeur de cette personne qui est la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venue de nous sauver tous de la mécréance, de l'injustice vers la lumière. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفر الله العظيم ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يضل من هديت ولا يضل من عافيت بارك الخير كله يا رب العالمين الرحمن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول بها بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحوين به علينا مصائب الدنيا متهنا بأسمائنا وأزواجنا وذرياتنا أبدا ما بقيتنا وجه الوارث منا وجعل ثارنا لمن ظلمنا وانصرنا لمن عادانا يا رب الرحمن الرحيم اللهم اخزل من خزل الدين اللهم اخزل من غسل الدين يا رب الرحمن الرحيم وانصر من نصر الإسلام يا رب الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نهورهم اللهم نجعلك في نهورهم يا رب الرحمن الرحيم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.